Jasage de jeu de rôle qui va vous parler d'un personnage qu'il a créé. C'est le personnage pour jeu de rôle. Fallait faire un personnage pour cette superbe journée qui s'en vient bientôt, là, dans une semaine et demie. Ouais, ah, c'est ça. Vraiment, j'ai vraiment hâte d'aller faire cette aventure-là. Puis, il faut préparer notre bonhomme d'avance. Ce que j'ai fait hier, j'ai eu bien du fun à monter ça. Parce que, tu sais, je montais un bonhomme. C'est rare que je monte vraiment des bonhommes pour le jouer. Je fais souvent des NPC. T'sais, je le joue, le NPC, là, mais c'est pas comme vraiment jouer un bonhomme. T'sais. Tu le joues quand les autres, ça lui tente que tu le joues. Il faut qu'elle le voit. Mais là, j'ai fait mon personnage. Je vais vous en parler. Je vais tout vous le décrire. C'est que ça va être malade. OK? Premièrement, bon, il faut savoir qu'on commence quatrième niveau. Donc, je me suis fait un personnage quatrième niveau. Je me suis dit, j'ai pas le goût de. T'sais, j'ai imprimé ma feuille de personnage. Puis là, moi, le type de feuille que j'ai, c'est une, deux, puis une troisième page pour les spells. J'ai fait. Pas le goût d'imprimer deux feuilles. Vous n'imprimez rien qu'une recto verso. Fait que j'ai dit, on scrape toutes les spellcasters. Fait que ça a tout éliminé ça. Puis après ça, je me suis dit, bon, il reste quoi comme personnage? Puis on va me faire un guerrier. Un guerrier original, le fun. Je veux surprendre la galerie. T'sais. Là, après ça, je me suis souvenu qu'à un moment donné, je jouais... Tu sais, je vous ai parlé de Moax. Je jouais mon monk Moax. Puis là, j'avais pris le feat leadership. Puis là, j'avais comme... un follower, fait qu'il s'appelait Bugatti Briseburn. C'était un halfling monk. Puis je trouve ça drôle, c'est Bugatti Briseburn. Fait que là, je me suis dit, bon, on va commencer, je vais faire la classe guerrier, la race que j'aime le plus. On va y aller avec un halfling. Moi, j'aime les halflings beaucoup, beaucoup. Fait que je me suis fait un halfling guerrier et je l'ai appelé, bon, comme je dis, j'avais Bugatti Briseburn. Ça me permet une petite twist comme ça, fait que c'est Ferrari Fanfourche. Fait que c'est ça, c'est un guerrier niveau 4. Premièrement, sachez que j'ai fait 95% du personnage juste avec le livre du joueur. T'sais, on avait le droit de prendre plein d'autres livres. J'avais pas le goût. T'sais, pour vrai, moi, je suis le genre de joueur qui va faire beaucoup avec peu, donc j'ai pris le livre du joueur, puis c'est vraiment avec ça que j'ai monté mon personnage. Pour vrai, là, le 5% qui n'est pas dans le livre du joueur, je pense que je l'ai pris dans le Morgatine. Oh, yeah, ouais. Mordekainen's Tome of Foe. Bon, c'est dans ce livre-là, puis c'est juste les je me suis inspiré de ça pour les idéal, flaw, bande, puis traits de personnalité de mon halfling, t'sais, parce que dedans, t'as vraiment, t'en as fait pour les halflings. Fait que c'est ça que j'ai pris, t'sais. Fait que pour cette partie-là, mon trait, c'est qu'au réveil, un sourire est obligatoire. Mon idéal, je peux être ami avec n'importe qui. Mon bond, c'est qu'on s'attaque pas à plus petit ou plus faible que soi. Bon, je suis un halfling qui a 8 de force. Fait que je suis pas mal plus petit, puis je suis pas mal faible. Fait que j'ai le droit de m'attaquer à pas mal ce que je veux. Et mon flow, c'est très important. On ne saute jamais un repas. C'est inspiré du Seigneur des Anneaux. Tu dis, hey, what about the second breakfast? Ben, c'est un peu ça. Là. Faut pas rater un repas parce que c'est important. T'sais, surtout que je suis un guerrier, je dépense d'énergie. T'sais. Donc, quand on faisait notre personnage, on prenait le stats 15, 14, 13, 12, 18. Fait que là, j'ai mis un 15 en dex, 14 en consti, 13 en wisdom, 12 intel, 10 de charisme, puis 8 de force. Ouais. Fait que je suis un guerrier avec 8 de force. 18 de Dex avec tous les bonus que je vous expliquais tantôt. Oui, tout le monde peut être mon ami, même si j'ai 10 de charisme. Je suis peut-être pas beau. Je suis de base. 10 de charisme, tu vois ça dans la rue, tu fais comme, ah, oh, c'est quelqu'un. Bon, ben moi c'est ça, mais j'ai un côté sympathique qui va faire que, là tu vas avoir le goût d'être mon ami, puis c'est le même que je vais faire. Fait que moi, tout le monde a une possibilité d'être mon ami. Après ça, ça se peut que tu déclenches les hostilités, parce que moi je vais pas être de ce genre-là. Je suis... neutre bon. Donc là, ce que j'ai fait, c'est j'ai comme descendu mon personnage. Bon, OK, là, un halfling, ça a ça. C'est avantage contre Frighten, avantage contre Poison parce que j'étais un stout halfling. Je suis lucky, tu sais, toutes ces affaires-là. Là, j'ai tout écrit ça. Après ça, on part. Guerrier. Qu'est-ce que ça me donne un guerrier, tu sais? Et j'ai commencé avec mon type de combat. Me bat deux armes, oh que oui! Un halfling qui se bat deux armes. Fait que là, je suis comme tout petit, ya, ça va être malade, ça va être écœurant. Avec mon 18 de Dex, ça me prenait donc des armes finesse.
pour avoir une certaine capacité à fesser. Fait que je suis allé me chercher deux rapières, parce que quand tu crées ton bonhomme, tu peux te prendre deux martial weapons, deux rapières. Là, les rapières, ils sont pas light, mais on a un bonus gratuit de feat. Fait que là, j'ai pris le feat que Dual Wielding Expert, là, je sais plus comment ça s'appelle. Fait que là, j'ai juste besoin de deux armes martiales. C'est, tant qu'ils sont à une main, ils ont plus besoin d'être light. Fait que là, deux rapières. Fait que j'ai fait un des 8, un des 8. Puis on a le droit de choisir une arme plus 1 à la création de notre personnage pour cet événement. Rapière plus 1, puis une rapière. Là, le problème, c'est que j'ai juste 8 de force. Fait que je peux pas une grosse armure. Mais c'est pas grave, quand je checkais les kits, il y en a un, ça venait leather armor, puis une longbow. Fait que là, j'ai un arc long, puis un leather armor. Mais tu sais, un arc long de halfling, c'est plus petit. Sinon, si je la plante à terre, elle le sait pas. Fait que ça, c'est comme le petit kit que j'ai pris. Ensuite, j'ai pris deux haches. Deux petites haches de lancer, parce que des fois, il faut lancer quelque chose. Fait que, on va lancer les haches. Moi, je trouve ça cool. En fait, à l'origine, j'ai failli dire, je veux qu'il y ait deux haches dans les mains. Mais ça fitait moyen. C'est sûr que ça aurait été drôle, c'est que des haches, monsieur Fanfourche, il te fend la fourche avec ça aurait été cool. Mais avec des rapières. Avec des rapières, ça va faire la job. Ensuite, c'était le choix de l'archétype. Là, je checkais les archétypes, j'ai dit, je vais y aller 5, je vais y aller 5. Là, j'ai vu le champion. Le champion, avec son power, il crit sur 19-20. Moi, ça me va. Je vais quand même avoir deux attaques par round. Je vais pouvoir critter sur 19-20 avec ces deux armes-là. Ça va être vraiment cool, tu sais. Mais là, quand tu es un champion, tu es un champion de quelque chose. Tu es un champion de quelqu'un. Tu es un champion de quelque part, tu sais. Fait que là, moi, j'ai fait comme, ah, j'ai une pas pire idée. Je vais me faire un champion de Avernine. J'espère que je l'ai bien dit. Ça, c'est le dieu de la guerre des hobbits. Des halflings, excusez. J'ai pas dit hobbit, j'ai pas dit hobbit. Wizard of the Coast, j'ai pas dit hobbit. J'ai dit halfling. Fait que c'est le dieu de la guerre des halflings. Ce qui m'amène à mon background. J'ai pris le background acolyte. T'sais, typiquement, c'est un background de prêtre, ça là. Tu sais, c'est pas un guerrier qui est acolyte d'habitude, mais moi, j'ai décidé de le faire parce que je voulais faire de quoi d'original. Moi, c'est toujours ça qui est important. J'aime ça faire un bonhomme original. Fait que oui, je suis un acolyte qui se bat avec deux épées puis qui se bat au nom du dieu Avernine. C'est vraiment ça son but dans la vie, de se battre pour son dieu. C'est un champion de ce dieu-là. Peut-être autoproclamé, je verrai comment je le joue, mais c'est un champion de ce dieu-là. Pour la simple et bonne raison que lui a choisi un dieu, mais c'est comme si ce dieu-là l'avait pas choisi. Il a pas choisi Ferrari et Fanfourche. Il a pas donné de pouvoir de paladin. Il a pas donné de pouvoir de prêtre. Il laisse aller. Il dit, toi, t'es un guerrier. Sûrement qu'il me regarde, peut-être qu'il me regarde aller. T'sais. Mais il ne me donne pas de pouvoir magique, divin, rien d'autre. Je suis un guerrier sec qui va se battre pour un dieu, puis un dieu qui ne le reconnaît pas vraiment. Quand j'ai regardé ça, ma fille a fait, oh, c'est donc bien triste. Ben, moi, je trouve ça super cool. Fait que. Ça va être ça. Ça va être ça, mon personnage. Ferrari Fanfourche, le guerrier niveau 4, dual wielding, spécialisé en dual wielding. Puis on s'en va se battre au nom du dieu Harovin Arvarine. Ça sonne comme un savon. Donc, c'est ça. Si vous avez le goût de voir Arvarine en spectacle, je veux dire, en combat, parce que ça va être un combattant, tu sais, mais il va essayer de pas trop l'empoigner de combat. Il sait se battre, mais c'est pas son but dans la vie, tu sais. Fait que si vous avez le goût de le voir, vous en venez à Jeu Rôle, ça va être à Nicolet. Il reste pas beaucoup de place, là, de ce que j'ai entendu. J'ai vraiment hâte d'aller voir ça. Ça va être ma première fois quand je vais faire une épique, comme ça s'appelle, genre 20 tables qui font comme toute la grosse quête ensemble. Chacun fait une petite partie de la game. Fait que j'ai hâte de faire ça, puis mon Ferrari fait en fourche aussi. Fait que, sur ce, je vous laisse, puis on se revoit très bientôt. On se revoit, Nicolas.